le berger australien, chien dévoué, formidable partenaire de jeu. Le berger australien est en tête du podium des races préférées des Français. Intelligent, fidèle, dynamique, il semble en effet avoir tout pour plaire, autant en chien de compagnie qu'en chien de travail pour garder les troupeaux. Le berger australien en bref, autre nom, aussi, espérance de vie, 12 à 15 ans, poids, 25 kg pour les femelles, jusqu'à 34 kg pour les mâles, taille, 51 à 58 cm pour les femelles, de 46 à 53 cm pour les mâles, silhouette, charpentée, poils, mi-long, densité moyenne, robe, bleu merle, noir, rouge ou rouge merle, caractère, fidèle, intelligent, actif, origine, États-Unis, type, lupoïde, groupe, 1, chien de berger et de bouvier, sauf bouvier suisse. Ce chien de berger est intelligent et particulièrement actif. Fidèle à son maître et très attaché aux membres de son foyer, il a tendance à se méfier des inconnus. En effet, bien que peu querelleur, il a un naturel craintif vis-à-vis de ce qu'il ne connaît pas. À l'instar de son copain le border collie qu'il a remplacé dans le cœur des Français, le berger australien exige des maîtres actifs et disponibles qui sauront répondre à ses besoins. Son nom ne peut pas vous induire en erreur. Vous avez bien affaire à un chien de berger qui, au chômage sans son troupeau, devra assouvir ses instincts naturels à travers des activités de dépenses physiques et mentales. Les conditions de vie idéales du berger australien sont dépendantes du temps et de l'énergie que vous aurez à lui consacrer. L'éducation d'un berger australien commence dès son arrivée dans son nouveau lieu de vie et continue tout au long de son existence. Elle nécessite de la fermeté, de la patience et de l'empathie. Cours en club canin, agility, obéissance, obérythmie, sont de bonnes activités à proposer à votre chien. En plus des balades quotidiennes, il sera également ravi de pratiquer un sport avec vous, tel que le canicross ou le canivtt. Si vous avez autant d'endurance que lui, vous allez vivre une belle aventure avec ce compagnon qui ne demandera qu'à rester à vos côtés. Chez vous, veillez à ce qu'il ait différents jouets pour s'occuper lors de vos absences afin d'éviter qu'il ne devienne destructeur par frustration. Si vous vous sentez dépassé par l'énergie de votre chien, des professionnels sont là pour vous aider. Éducateurs et comportementalistes, pet-sitters pour des gardes à domicile ou des balades, certaines pensions canines avec service de garderie à la journée. Toilettage et entretien du berger australien, le poil mi-long du berger australien ne nécessite qu'une bonne séance de brossage par semaine. Évitez les shampoings fréquents, néfastes pour nos amis à quatre pattes. Des vaccins annuels avec check-up chez votre vétérinaire et une protection efficace contre les parasites le maintiendront en bonne santé. Soyez très vigilants. Certains médicaments et plus particulièrement des antiparasitaires sont à proscrire absolument. Le gène MDR1, présent chez les bergers australiens, les rend sensibles à certaines molécules comme l'ivermectine. Ces dernières peuvent lui être fatales. Principaux problèmes de santé du berger australien, malgré son endurance et son aspect solide, le berger australien est un chien fragile. Il peut souffrir de maladies oculaires héréditaires comme l'atrophie progressive ou le décollement de la rétine, la cataracte, l'anomalie de l'œil du colis.
berger australien n'est pas vraiment fait pour une vie en appartement. Il préfère les maisons avec jardin pour donner libre cours à son tempérament sportif. C'est une race qui apprécie la compagnie et qui demande autant d'affection que d'action. Il faut donc penser à le sortir assez souvent et éviter de le laisser seul trop longtemps. S'il a besoin d'autorité, il faut le lui signifier en douceur. Plutôt résistant aux intempéries grâce à son poil double, le berger australien doit toutefois bénéficier d'un abri le protégeant des conditions climatiques difficiles. Le berger australien réclame une alimentation équilibrée et adaptée à son activité. Il est plus courant de lui fournir des croquettes qu'une alimentation maison, car les premières, à condition d'être de qualité bien sûr, assurent tous les apports nutritionnels nécessaires. Préparer soi-même les repas du chien comporte le risque d'occasionner des carences ou des excès sauf si vous êtes connaisseur dans le domaine. La quantité de croquettes journalières dépend bien évidemment du métabolisme et de l'activité de votre chien. À titre indicatif, on conseille généralement entre 280 et 320 g de croquettes à fractionner en deux repas quotidiens pour le berger australien. Il est sans aucun doute bien plus compliqué de s'adapter au comportement du berger australien qu'à son régime alimentaire ou aux soins dont il a besoin. Même les animaux venant d'un élevage de chiens de compagnie et dont le tempérament est donc un peu plus calme nécessitent tout de même beaucoup d'activité physique. Le berger australien a besoin d'espace. Une promenade quotidienne pourrait être suffisante à condition de durer 30 minutes minimum. Il est d'ailleurs recommandé de partager avec lui une activité canine, agility, canicross, frisbee, jeu d'obéissance, etc., pour assurer son épanouissement. Bien évidemment, les chiots ont un besoin moindre en termes d'activité physique en comparaison avec les adultes. Un chiot berger australien ne doit pas trop sauter ou jouer sur des surfaces trop dures afin d'éviter un mauvais développement du squelette et tous les effets néfastes que cela pourrait provoquer sur sa santé. Les maladies typiques de cette race de chien, le fait que de plus en plus de maladies héréditaires spécifiques à la race soient apparues ces dernières années peut malheureusement également être attribué à sa popularité croissante et au développement d'élevages non contrôlés qui en découle. Parmi les maladies typiques contre lesquelles le berger australien doit se battre, on trouve des problèmes articulaires tels que la dysplasie de l'articulation de la hanche et du coude, HD et ED, des maladies oculaires telles que la cataracte et l'APR, atrophie progressive de la rétine, l'épilepsie, ainsi que des défauts dentaires et de la mâchoire. Comme chez les border collies, le défaut dit MDR1 apparaît chez les bergers australiens, ce qui entraîne une hypersensibilité à divers médicaments. Malgré ses prédispositions génétiques, le berger australien a une espérance de vie de 12 à 15 ans en moyenne. Lorsque l'on accouple deux bergers australiens bleu merle ou rouge merle, leur progéniture n'est bien souvent sourde et ou aveugle. Dans certains pays, l'accouplement merle-x-merle est ainsi considéré comme de la torture et est interdit.
Merci d'avoir vu cette vidéo, à bientôt.